Alors aujourd'hui, on va parler de deux capteurs qui sont bien casse-couilles. Ces capteurs, si tu es un peu familier à la XF, tu les connais par cœur. Il s'agit du capteur PMH et le capteur Arbracam. Alors, ces deux petits capteurs, ils sont emmerdants parce que si tu en as un qui foire, l'autre peut pas fonctionner correctement. Donc souvent, on les change par paire pour gagner du temps. Qu'est-ce que c'est que le capteur PMH? Le capteur PMH, autrement dit point mort haut, est aussi appelé capteur de vilebrequin ou capteur de régime. Il participe à la bonne injection de carburant en permettant au calculateur moteur de connaître la position des pistons. Alors pour cela, le capteur PMH il sert de la rotation du volant moteur. Le volant moteur, c'est une roue crantée qui possède un repère grâce auquel le capteur PMH peut détecter les intervalles de ce repère et compter les dents du volant moteur. Ça indique le régime moteur, en gros le nombre de révolutions du vilebrequin, et ça transmet cette information au calculateur. Alors il existe deux types de capteurs PMH. Tu as le capteur PMH à effet Hall, aussi appelé le capteur PMH actif, hein, qui équipe seulement les moteurs qui sont les plus récents. Et lui, il transmet directement le signal électronique au calculateur moteur. Et tu as le capteur PMH inductif, c'est celui qu'on a nous sur notre M112, qui est beaucoup plus fréquent, moins cher, mais un peu moins précis aussi. Et celui-ci, il offre il utilise un champ électromagnétique qui sert à détecter les objets métalliques. Là, en l'occurrence, c'est les dents du volant moteur. Donc, c'est grâce au capteur PMH que le calculateur il peut adapter l'injection de carburant par rapport au régime moteur. Alors, il est naturellement indispensable pour le bon fonctionnement de ton moteur, parce qu'il faut que l'injection elle soit adaptée au régime. Faute de quoi, tu auras une combustion imparfaite, et du coup, les performances de ton M112 ils seront dégradées. Je te parlais d'un deuxième capteur, le capteur de position d'Arbracam. Alors globalement, ça fonctionne pareil que le PMH, mais ce coup-ci, on se renseigne sur la position des Arbracam. Donc en effet, les Arbracam, ils pilotent les soupapes. Donc quand tu connais la position de l'Arbracam, tu connais la position de tes soupapes. Si tu as les soupapes en phase d'ouverture et que le piston est proche de son point haut, tu risques une salade de soupapes. Et bien que ce soit un des mets les plus délicieux de cette planète, crois-moi, t'as pas envie d'y goûter. Donc pour injecter au bon moment, le calculateur consulte le PMH. Pour piloter l'injection et pour piloter l'allumage, il consulte le capteur d'Arbracam. Et si les valeurs transmises par les deux capteurs sont contradictoires, tu démarreras pas. Tout simplement pour que ton moteur il s'abîme pas. Il en fait pas exprès le calculateur. En fait, il protège ton moteur. Il a pas envie de te faire chier, tu comprends? Retiens simplement que pour démarrer ta bagnole, tu as besoin des deux capteurs. L'un fournissant la position des pistons, le PMH du coup, et l'autre précisant le cycle de combustion. Le capteur d'Arbracam. Pour les symptômes, c'est assez simple. Problème de ralenti instable, moteur qui cale au ralenti, raté d'allumage, manque de puissance, moteur qui s'allume pas malgré le démarreur, et moteur qui démarre pas mais qui a de l'allumage. Alors il y a sur le M112 un symptôme qui te permet de déterminer si ce sont les capteurs qui sont défectueux ou si c'est le RCM. Si quand tu tournes ta clé, rien ne se passe, même pas un tour de démarreur, tu vérifies ta batterie. Si elle est bonne, c'est que c'est ton RCM qui est fautif. Le contacteur qu'il y a dans le RCM, bah, il fait pas contact et du coup, il alimente pas ton démarreur. Donc bon, si ça fait ça, tu prends mon tuto et tu essaies de le refaire toi-même et si ça marche, t'as gagné. Dans le deuxième cas, si quand tu tournes ta clé, le démarreur tourne mais le moteur prend pas, t'es bon pour faire un changement du duo des capteurs parce que ça va être galère de déterminer lequel est en panne et les capteurs coûtent pas cher donc... t'as pas envie de te faire chier. Donc moi, mes deux capteurs, ils sont encore bons. Mais je vais te montrer comment on les change quand même. Donc, comme je t'ai dit, t'as deux capteurs. Et c'est important d'avoir ces deux capteurs dans ton coffre, quoi qu'il arrive. Parce que si ça peut te lâcher sur la route, et c'est plutôt intéressant d'avoir une petite boîte à outils, et les deux capteurs en l'occurrence, pour pouvoir réparer quand t'es sur le bord de la route. Ou dépanner un copain pendant un rasso, hein, ça peut arriver aussi. Donc ça, c'est ton capteur d'Arbracam. Tu vois, c'est basiquement un truc devant lequel tu fais passer quelque chose de magnétique et il détecte. Ensuite, il dit au calculo, là ça a fait un tour, 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 là ça a fait un tour. Et du coup, quand tu as un moteur bah, qui est bien distribué, hein, que ta distri elle est bien calée, et bah, tu sais la position de tes Arbracam et du coup de tes soupapes parfaitement. Tu comprends? Le deuxième capteur, c'est celui-ci. C'est le PMH. D'accord, bon là j'ai une référence, mais les miens c'est des Ridex parce que j'en ai un peu rien à foutre pour me dépanner, ça suffit largement, tu vois. Celui-ci c'est le plus galère à changer, mais tu vas voir, c'est pas compliqué non plus, hein. Ça va très vite.
Et il fonctionne exactement pareil, sauf qu'il est juste plus long parce qu'il est obligé d'aller plus loin pour capter le volant moteur. Bref, t'as pigé à peu près comment ça marche et l'intérêt de ces capteurs. Donc maintenant, on va pouvoir passer au tutoriel. Mine de rien, c'est quand même important de savoir qu'est-ce qui merde, pourquoi ça merde et quels symptômes ça peut engager. Donc dans un premier temps, tu vas te munir d'une douille de 10 pour débrancher la cosse de ta batterie. C'est important. On va travailler sur quelque chose d'électronique. On n'a pas envie de faire foirer quoi que ce soit ou de cramer le capteur, alors même qu'on l'a mis. Donc, on débranche la batterie. Ensuite, on vire la boîte à air. Je précise encore une fois, c'est une putain de boîte à air. C'est pas un couve-moteur pour faire joli. Enfin, je sais bien qu'il y a la moitié qui l'ont compris, mais il y en a encore quelques-uns qui sont réfractaires. Bref. Maintenant, on va commencer par le plus accessible, le capteur d'arbre à cam. Donc, mon capteur, il est assez simple à trouver. Il va se trouver juste ici, tu vois. Là, ici, j'ai mon machin pour la jauge d'huile, là, à la con. Qui est merdique, en plus. Ici, j'ai tout ce qui fait office de clapet anti-retour pour la pompe à air secondaire. Et bah, juste là, sur la culasse, il y a un petit capteur qui est là, tu vois. Hein, et qu'on va débrancher. Et ce capteur, et bah, c'est ton capteur d'arbre à cam. Donc, pour le débrancher, c'est assez simple. Une pression ici. Un petit tournevis juste en dessous, histoire d'alléger les contraintes, d'accord. Et ensuite, j'ai plus qu'à tirer sur le petit câble. Voilà, on pince ici, on tire tout simplement. Ensuite, je prends ma douille E8, évidemment, hein, Torx 8 femelle, et je viens le dévisser. Alors, si tu as besoin de forcer un petit peu, bah, tu mets du dégrippant, forcément. Hop, je retire ma vis. Ensuite, je vais prendre mon contacteur. Et voilà, je le retire tout simplement. C'est normal d'avoir de l'huile sur le bout là, mais à l'intérieur, je pense pas que ce soit très très normal. C'est peut-être le petit joint, tu vois, il y a une espèce de O-ring là. C'est peut-être le petit joint là qui est un peu usé et qui s'est mis à fuir un petit peu sur les bords. Bref. Et voilà, un petit nettoyage, ça lui fera pas de mal, hein, au passage pendant qu'on est là. Donc, assez simple à remonter, hein, c'est la même opération dans le sens inverse. Je fais gaffe à pas trop, tu sais, tourner mon... J'essaye de bien placer mon contacteur. Pas mon contacteur. En fait, il faut essayer de bien placer ton capteur au premier tour. Parce que ce qui peut se passer, c'est que bah, si tu tournes plusieurs fois comme ça, tu viens abîmer ton O-ring et tu auras une fuite d'huile. Et c'est un peu chiant d'avoir une fuite d'huile ici. Surtout pour un capteur de merde. Donc, tu essayes de pas trop mal te positionner. Tu l'enfonces. T'appuies pas trop comme un gros bourrin, tu sais. Tu reprends ta petite vis, ta douille. Tu le remets au cul. Et surtout, si ça ne se vise pas, comme dans le cas présent, c'est peut-être parce que je suis mal aligné. Et voilà. Je serre. Alors, je serre pas trop fort, parce que c'est de l'alu, on le rappelle. Et une vis dans de l'alu, elle a tendance à se prendre pour une vis auto-foreuse. On replace notre connecteur qui va bien. Je plaf. Voilà. Et là, c'est reparti. Le capteur d'arbre à cam, c'est fait. Donc maintenant qu'on a vu la roue à cam, on va aller s'occuper du PMH. Et le PMH, lui, il est beaucoup moins accessible. Alors, c'est pas l'enfer, hein. Mais, tu vois, il va falloir aller farfouiner par ici. Je vais aller chercher une torche pour te montrer. Donc là, voilà. Ici se situe ton PMH. Hein ? Bien galère. Donc on est côté conducteur. On descend dans le creux. Le long du kata, il y a une espèce de plaque qui sert à faire port chaleur, tu vois, et il y a un capteur qui est logé là. Et c'est le famoso PMH. Donc comment est-ce qu'on fait, à ton avis? Eh bien, c'est simplement, on va retirer d'abord, dans un premier temps, la cosse, hein, pour avoir un peu plus d'accessibilité. Et ensuite, il y a une vis qui est juste en dessous et qui va nous permettre de le démonter. Bon, alors, je te mets bien en hauteur. Mais je pense pas que tu vas voir grand chose. Mais bon, ouais. Au moins, tu vois un peu comment je place mes mains. Et tu vas plutôt voir ma calvasse. Et il n'y a pas trop d'angle possible. Donc bon. Alors. Comment je le retire, ce fils de pute? Voilà. Eh, je te montre ça après. Hein. C'est bon. Et tu vas attendre 5 minutes, non?
qui va doucement. Hein. Donc là, pour démonter ton capteur, une fois que tu as retiré la cosse, ce que tu fais, c'est que tu prends un cliquet, une rallonge. Un peu plus courte, ça marche mieux. Hein. Si tu avais ça de rallonge, c'est nickel. Et tu prends ta douille de 8 femelles. Ensuite, tu viens le décoincer. Alors, tu forces pas comme un bœuf parce que c'est de l'aluminium. Et on va pas répéter ce qu'on a déjà répété, ça ne sert à rien. Tac. Tu vois, tu prends pas la tête. Ça, c'est utile aussi. Dans ta boîte à outils de bagnole, quand tu vas sur la route, un truc comme ça, c'est vachement pratique. Ça t'évitera des emmerdes. Donc là, ton capteur, il est déverrouillé. Tu tires pas dessus comme un bœuf, ça ne sert à rien. Tu le fais glisser tout doucement. Et tu te rappelles que comme il est long, il faut être bien dans l'axe. Donc ça sert à rien de bourriner comme un clochard. Et donc le voilà, la référence. Et putain, c'est un Mercedes, les gars. Les gars, et ça se trouve, c'est le capteur d'origine. Je vais fouiller, mais je crois que c'est le capteur d'origine. A003 153 28 28. Donc ce qui est important quand tu vas le placer, c'est de parier la pastille qui est là. Parce qu'en fait, ça, c'est le capteur inductif. Tu vois. C'est lui qui va lire le message. Donc s'il est rayé, il y a un champ magnétique qui est moins propre. Et ça peut affecter ses performances. Donc pour le remettre tout doucement, tout pareil. Voilà. Bien au fond. C'est comme ça que c'est bon. Là, ça va être le moment sportif parce qu'en fait, il faut remettre la vis correctement sans qu'elle se casse la gueule. Donc si t'as une technique pour remettre la vis sans qu'elle tombe, je suis preneur. Oh putain, j'ai réussi. Le premier tour. Et je serre, mais tu vois, quand j'arrive au fait que la vis est au fond, je vais pas aller mettre plus de force que ça. Ça sert à rien. C'est de l'aluminium. C'est qu'elle est au fond et puis c'est bon, quoi. Et donc, j'ai plus qu'à rebrancher. Mais avant de rebrancher, je vais te montrer la petite pin, là. Donc en fait, tu vois, ce machin-là, quand tu le chopes, il est présenté comme ça. Tu vois. Ce machin-là, là, il est présenté comme ça. Voilà. Donc sur le cul, là, de ce côté-là, de ce côté par là, là, et bah, t'as une gâchette, d'accord. T'appuies sur la gâchette, tu tires. C'est aussi con que ça. Mais en fait, comme il y a des... Tu vois, il y a une espèce de soufflet pour empêcher la... Je sais pas, la merde de se mettre dans la connectique. Et bah, ce petit soufflet là, il fait à moitié ventouse. Donc ça peut paraître compliqué à retirer, mais en fait non, c'est aussi simple que ça. Et donc pour le remettre, bah, c'est la même étape à l'envers. Et voilà, donc on a vu ensemble comment faire le capteur d'ArbraCam et le capteur PMH. Et t'as vu que c'était pas excessivement compliqué. Donc si tu tombes en panne, bah, faut pas hésiter à le faire parce que franchement, toi-même, tu peux très bien y arriver. Bref, c'était pas très compliqué et maintenant, tu sais comment te dépanner. Allez, sur ce, ciao, à la prochaine.